ne marchera jamais. C'est ce qu'on dit les docteurs. Ernest, c'est mon colocataire. Et dans cette pauvre enveloppe de chair, plus de 30 ans que je le côtoie, mon frère Ernest, je comprends pas quand tu joues à la poupée. Avec mon corps, c'est moi qui paye. Quand tu te réponds en roman, c'est mon amour, mec. Qui a été longue maintenant. On va jouer à un jeu qui ne marche qu'en Allemagne.
en amont. C'est le jeu de tu descends sur les genoux, sur les coudes des jambes, c'est-à-dire les genoux, ne pas confondre avec les genoux des bras, qui sont les coudes. Tu fais, tu te mets sur, tu descends sur les genoux, tu sais, comme ça, flexion. Allez. Toi aussi, ouais, tout le monde, parce que sinon d'une j'ai l'air d'un con, et deux aussi, alors tu vas me dire, voilà, tu vas descendre, on va faire ce jeu-là, ça marche en Allemagne. Hein. Donc, allez, ça marchera pas ici. Non. Voilà. Vous quatre aussi, vous descendez. Parce qu'après, il n'y aura que elle qui sera debout, qui aura l'air bizarre et tout le monde va la regarder comme si elle votait mal. Ok. Mademoiselle, maintenant tu es. Voilà. Et il faut que tu fléchisses tes genoux. Je t'explique la règle. Ils sont bons. Allez, ils sont bons. Alors, est-ce qu'on peut les huer un petit coup, s'il vous plaît? Non, ça c'est la macagne, hein, c'est l'humour pour ça. Voilà, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment, écoutez bien, parce que c'est difficile, voilà, c'est bien. Au moment où la musique va démarrer, vous allez vous dresser, vous lever, c'est-à-dire tendre ce que vous avez étendu, flexionné avec beaucoup de jambes, avec les genoux et les pieds, voilà, et vous mettre à faire la danse la plus stupide vous soit donné d'inventer sur le moment. Okay. C'est très difficile. Mais au moment où la musique démarre, hein, parce qu'il y a des pièges, hein, sinon c'est pas un jeu. On va faire un essai. Attends, tu... Ah, tu vois, il a perdu. Non, tu pourrais essayer. En tout cas, ça peut bien un mal. Je ok, on va essayer de les tromper encore. Putain, tu as failli te faire avoir. Hein. Non, ils ont la balèze. Hein. Ils sont moins bêtes que dans la vallée d'à côté, on dirait. Remarque, peut-être qu'ils viennent de la vallée d'à côté. Donc du coup, ça serait eux qui seraient plus influents. Enfin bon, je ne connais pas les gens d'ici. Es-tu prêt? Per liberta, pour ta liberté, à Chirnet, ici, à foutre le feu ce soir. C'est important, le message, le pas politique, et ton empereur, et le retour. Tu es prêt? Attention, quand la musique démarre, et c'est là, j'ai ta voix. Oh putain, ils sont balèzes. Napoléon Bonaparte, sans condition d'un jeu de vérité.